Bokir Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que pour vous la semaine va bien se commencer. Enfin, c'est pas seulement de l'espoir ou de l'espérance, c'est une conviction. Tout va bien se passer puisque tout est parfait. Puisque tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Nous allons parler d'amour ce matin, nous allons parler de haine. Mais vous allez voir, une haine qui est productive, une haine qui est en fait empreinte d'amour. De quoi nous parlons? Il est dit que, comme ça dans la Torah que parfois il faut détester, il faut haïr, il ne faut pas aimer. Qui? Quoi? À quel moment? Ouais. Qui tirait? Ramor son acharovet stachat masao. Il dit comme ça dans le texte. Quand tu marcheras comme ça dans la rue, tu verras que l'âne de ton prochain, hein, l'âne de ton ennemi, Ramor son acha, qui croule sous la charge, eh bien, tu as une mitzvah d'aller l'aider. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que tu ailles l'aider? C'est ton ennemi. On va répondre à cette question aujourd'hui. Comment se fait-il que la Torah nous parle d'un ennemi? Est-ce qu'un juif a le droit d'avoir un ennemi? Non, un juif ne peut pas avoir d'autre ennemi, puisque c'est notre sujet, hein, ce que nous avons commencé à aborder hier. Ve'aftal et Rachakamora, c'est d'aider son frère juif, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il fait, je l'aide, je l'aime inconditionnellement. Donc quel est cet amour-là qui est inconditionnel et qui parfois peut nous mettre face à une personne qui serait donc une personne qu'on pourrait détester? Comment est-ce qu'on peut haïr, Chas v'Shalom? On va développer ça ensemble, à travers les enseignements du Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Vous savez, on a l'habitude de parler de Rabbi Zouché d'Anipoli. Nous avons parlé de Rabbi Zouché d'Anipoli, sa perception, de sa vision des choses, mais également du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, ainsi que la vision du Admor HaZaken, qui est aussi différente. Et c'est ce que nous allons aborder ce matin. Hier, nous avons plus abordé la vision qu'avait le Rabbi Zouché d'Anipoli, à savoir de ne pas voir le mal chez l'autre. Il n'y a pas de mal. Il n'y a que du bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mal. Est-ce que je vous ai dit les chaïms pour commencer? Donc je vous dis les chaïms. Mais aussi, je vous rappelle qu'il est important de partager. Il est toujours encore plus important de liker et de commenter. C'est un peu. Je vous rappelle que ce matin, nous étudions, et je compte sur votre bracha. Pour la refoua shelema, c'est très important, mais vraiment très important, de prier fort pour Chaya Anat Shoshana Bat Laetitia Esther, pour Gad Ben Léa, pour Tinok Ben Avraham, pour le Rav Eliyahu Raphaël Ben Kuka, mais également pour
Devir Shneor ben Nechama, et que Kadosh Baruch Hu fasse qu'ils puissent retrouver très rapidement toute leur capacité, qu'ils puissent être dans une refoua shelema totale et complète, et qu'Hachem y donne des forces à leurs proches pour les soutenir dans cette terrible épreuve, et qu'Hachem nous libère de tout cela. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Rabbi Souché d'Anipoli, vous savez ce qu'on a l'habitude de dire, quand il y avait un maître qui avait l'habitude de donner des conseils, il y a des chassidines qui voulaient apprendre comment vivre avec les épreuves. Alors, si je ne me trompe pas, c'est de Al-Morazaken, je crois, hein, qui avait envoyé un chassid qui lui avait dit « Regarde, tu vas aller voir Rabbi Souché d'Anipoli, et puis il répondra à tes questions. » Il te dira, il te donnera des conseils face aux épreuves. Comment est-ce que tu dois te comporter face aux épreuves, face aux difficultés de la vie. Ce chassid va chez, il va se présenter chez Rabbi Souché d'Anipoli. Il tape à la porte, il voit une maison délabrée. Et là, il lui dit, voilà, le rabbi m'a demandé pour que de venir te voir, pour que tu puisses m'expliquer comment est-ce que je dois vivre, comment est-ce que je dois faire pour assumer hein, toutes les épreuves de la vie et les difficultés. Et là, le Rabbi Souché d'Anipoli lui a répondu, il dit, mais j'ai pas vu de difficulté, moi. Il n'y a pas de difficulté. Rabbi Souché d'Anipoli ne voyait le mal ni dans sa vie, dans l'existence, mais il ne voyait pas le mal non plus chez son prochain, chez l'autre. Donc pour lui, ce n'était pas un problème, et ce n'était pas un travail, un effort particulier d'aimer son prochain, peu importe comme il était. Parce que pour lui, l'autre, ce n'était pas du mal. L'autre ne représentait jamais du mal. La Gemara nous dit, a priori aussi également, qu'il faut parfois détester celui qui faute, celui qui s'égare de la bonne route. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis capable d'aimer mon frère juif qui serait Chas V'Chalila, Chas V'Shalom, un assassin? Est-ce que je peux aimer, est-ce que je dois aimer un frère juif qui commettrait du vol? Est-ce que j'ai la mitzvah de l'aimer? Alors de manière naturelle, bien sûr que j'ai des difficultés pour l'aimer. Plus on s'investit dans la vie, plus on est du côté du positif, plus on a du mal avec le mal. Hein, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que plus on s'investit dans la sainteté, plus on a du mal à être en contact avec l'impureté. Plus on est dans le positif, plus on est quelqu'un de bien, et moins on supporte celui qui n'est pas bien. Et pourtant, plus j'avance dans mon évolution personnelle, dans ma sainteté, dans mon évolution, mon attachement avec Dieu, dans l'accomplissement de la Torah et de la Mitzvot, et plus on me dit, non, tu sais quoi? Il va falloir que tu aimes aussi celui qui n'est pas du tout comme toi tu es. Comment réussir ces deux mouvements en même temps? D'un côté, on me demande d'aimer, de l'autre côté, on me demande de détester le mal. Par exemple, vous savez qu'il n'y a pas de différence entre ne pas voler et de ne pas enfreindre le Shabbat. Pourtant, on a plus de facilité à accepter qu'un frère juif ne fasse pas le Shabbat, à accepter qu'un frère juif vole. Pourtant, c'est deux interdits de la Torah. C'est les mêmes. Ne pas tuer, ne pas voler et ne pas enfreindre le Shabbat. On a plus de difficultés à détester quelqu'un qui a profané le Shabbat que quelqu'un qui a tué, qui a volé. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de vivre avec ça. Et pourtant, de la même manière, on doit continuer d'aimer a priori celui qui vole ou celui qui tue, comme on continue à aimer celui qui profane le Shabbat. J'aime même plus que ça. Nous ne sommes pas du tout au top de tout ce que nous devons faire. Ok? Et pourtant, on continue à s'aimer. Oui, sans parler de l'autre. On ne fait pas tout ce qu'il faut, on continue de s'aimer. Allez, rappelez-vous, celui qui pense qu'il ne s'aime pas, c'est celui qui s'aime le plus. Rappelez-vous bien de ça. Donc, quelle est cette approche-là de Rabbi Souché d'Anipoli qui nous dit qu'il ne faut même pas voir le mal? Alors, précisément quand la détestation du mal, c'est ce qui fait partie même de notre travail, de cet effort-là, de cet investissement pour le bien et vers le bien. Si je ne repousse pas le mal, c'est une forme de légitimité que je lui donne. Donc je suis obligé de le détester quelque part le mal. Pourquoi? Parce que quand je le délégitimise, eh bien je n'apprends pas de ses actions. Je ne prends pas du tout exemple sur ce mal-là. Mais si je continue à aimer celui qui est impie, celui qui fait l'inverse de la volonté de la Torah, ben je risque d'être influencé, parce que si je le valorise, si je lui donne une place, eh bien ça veut dire que je vais légitimiser ce qu'il fait, et même si ce qu'il fait c'est mal. Mais là il y a un problème. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, Boker Tov les Koulam. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit que parfois, il est permis, et même une mitzvah d'après les Chachamim, d'après les Rabbanan, de détester. La Gemara, elle pose la question, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Voilà, il est écrit dans la Torah, Kitire Chamor son acha, Rovet Tachat Masao. Il est question d'un ennemi, alors ça veut dire qu'on a un ennemi.
Et d'un autre côté, dans l'autre côté, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne dois pas détester ton frère dans ton cœur. Alors, en fait, la camarade explique, il dit non. Qui c'est que tu détestes? C'est celui que tu as vu fauter. Et dans cette précision-là, dans ce cas précis-là, eh bien, tu as la mitzvah de le détester, de le haïr. Il est dit comme ça, « Irat Hashem sinatara ». La crainte de Dieu, c'est la détestation du mal. On va répondre à ça, on va répondre à cette question-là, et c'est la question que le Morazakan nous pose ici. Comment je peux détester alors qu'on me demande d'aimer? Vous vous souvenez, hier, on a dit, il faut aimer sans distinction aucune, quantitativement, qualitativement, peu importe l'âge, les migadol vat katan, du plus grand jusqu'au plus petit. De la manière qu'Aman, lui, il a voulu tuer du plus petit jusqu'au plus grand, nous, on doit aimer du plus petit jusqu'au plus grand. Et comme le Rabbi de Lubavitch avait dit, de la manière que nos ennemis ont voulu, ils sont partis nous chercher, ils sont partis chercher les Juifs, peu importe leurs origines, dans ce qu'ils avaient dans leur sang de Juifs, dans ce qu'ils avaient dans leur famille de Juifs, pour les décimer, peu importe qu'ils pratiquaient ou pas. Mais le Rabbi de Lubavitch avait dit, nous, on doit aller aimer. C'est l'approche du Edmond Hazaken, c'est l'approche de l'auteur du Tania ici, d'aller chercher un Juif pour l'aimer, peu importe d'où il vient, peu importe la condition. Les Chaim. Alors si on approfondit un petit peu l'idée de la Gemara ici, on va voir que tout cela est bien nuancé. Et on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire détester. Et est-ce que vraiment on est en mesure de détester? Parce que pour pouvoir détester, il faut pouvoir avoir une appréciation qui soit juste, être capable de détecter ce qui est vraiment négatif ou pas. Et qui sommes-nous vraiment pour savoir ce qui est vraiment mal ou pas, au point de détester ce qui est mal? C'est la raison pour laquelle la Gemara nous donne, et différentes sources, trois barrières, trois limites, trois conditions sine qua non à cette haine qu'on pourrait avoir d'un homme qui ferait un acte qui serait négatif. Première chose. La seule raison, et dans le seul cas que tu peux détester quelqu'un qui a commis un acte qu'il ne devait pas commettre, c'est si cette personne-là, c'est quelqu'un qui est chomer Torah Mitzvot. Écoutez bien ça. Ça ne peut pas être quelqu'un qui est écarté de la Torah. Quelqu'un qui est écarté de la Torah, tu ne peux pas du tout lui en vouloir. Tu ne peux même pas... Tu peux pas ne pas l'aimer. Quand la Torah, elle nous dit, et elle nous parle d'un ennemi ici, quand on dit ennemi, c'est-à-dire quelqu'un que tu haïs, parce qu'il ne fait pas la volonté d'Hachem, c'est pas parce qu'il ne fait pas la volonté d'Hachem globalement dans sa vie. C'est celui, en réalité, qui est chomer Torah au Mitzot. Ça veut dire qu'il fait la Torah et les Mitzot, il accomplit tout ce qu'il faut. Et un jour, lui, il ne fait pas ce qu'il faut, parce qu'il est, tout en sachant tout ce qu'il faut faire. Alors à ce moment-là, tu as l'obligation de lui faire des remontrances. Il dit comme ça, « Et amitecha ». Amitecha, ça veut dire quoi ?« Im se'etra batora » au Mitzvot. C'est quelqu'un qui doit être proche de toi, un ami à toi, avec qui tu as déjà étudié la Torah, avec qui tu as accompli les mitzvot en général, et là, il a mal agi. Et là, il a décidé de faire une avéra. Comme c'est quelqu'un qui a l'habitude, et pour lui, c'est considéré comme une vraie faute, puisqu'il sait que c'est interdit de le faire, et il le fait quand même. Alors les Chachamim nous disent ici, c'est grave ce qu'il a fait là. Donc, tu dois haïr ce qu'il a fait. On va voir tout de suite ce que ça veut dire haïr, est-ce qu'il faut haïr la personne ou ce qu'il a fait. On va comprendre ce que ça veut dire. Deuxième chose, c'est dans le cas où celui qui fait cet avira-là et qui a l'habitude d'accomplir toujours la Torah et les mitzvot, c'est dans le cas où toi, tu lui as parlé, tu l'as prévenu, tu as essayé de lui faire des remontrances, de le calmer, d'essayer de comprendre sa motivation, d'essayer de l'écouter, d'être à son écoute, d'être présent, d'être avec lui, de l'avoir éprouvé comme il faut. Et s'il continue de fauter, alors là, c'est détestable. Tu es sûr que quand il fait vraiment la faute, il le fait intentionnellement. Troisième condition ici que la Torah nous donne, c'est que quand est-ce que tu peux te permettre de faire des remontrances à une personne qui est en face de toi, uniquement si c'est vraiment ton ami. Mais qu'est-ce que ça veut dire ton ami? Ça veut dire si tu l'aimes vraiment, si c'est ton bien-aimé, s'il est avec toi, si vraiment c'est ton ami, vraiment ton ami, il est proche de toi, tu l'aimes inconditionnellement, là tu peux lui faire des remontrances. Vous imaginez les conditions qu'il faut? Donc, après ces trois conditions, vous êtes d'accord avec moi? C'est impossible de faire des remontrances à un juif qui fait quelque chose de négatif. Parce que c'est très rare d'être dans une situation comme celle-ci,
on est très très proche d'une personne, qu'elle soit tellement proche, qu'elle soit comme notre propre enfant, notre propre frère, et qu'on peut se permettre à ce moment-là, parce qu'on a étudié la Torah et parce qu'on a, on a suivi toutes ces conditions-là, de lui faire une remontrance. On comprend ici qu'en fait, la mitzvah qui nous est donnée de le détester, de le haïr, elle a des conditions bien précises. Il faut qu'il soit, qu'il ait fauté et qu'il soit quelqu'un qui a l'habitude de faire la Torah et les mitzvot. Il faut que ce soit quelqu'un qui est karov, qui est proche de toi. Il faut que ce soit quelqu'un à qui tu as déjà fait la leçon, par amitié, dans le contact amical que tu as avec lui. Il est proche de toi. C'est pas juste comme ça. Il est vraiment proche de toi. Et quand il continue à faire ce qu'il ne faut pas faire, alors là, il peut y avoir cette détestation qui se fait. On raconte que Rabbi Zera, un grand sage de la Gemara, il avait dans son entourage ce qu'on appelle des brigands. C'est raconté dans la Gemara Sanhedrin. Ils habitaient avec lui, à côté de chez lui. Et lui, il avait une attitude et une attention particulière pour ces gens-là. Mais les autres chachamim, les autres sages, étaient très durs avec lui. Quand il est parti, quand il a quitté ce monde-là, ces brigands-là se sont dit, mais qui c'est qui va nous sauver? Qui c'est qui va nous protéger? Qui c'est qui va nous aimer comme lui nous aimait? Ils ont commencé à réfléchir, à penser à lui. Et le fait qu'ils se rappellent que Rabbi Zera les protégeait et trouvait des excuses à leur acte de son vivant, ça leur a donné envie de prendre conscience de leur situation et de faire teshuva. C'est comme ça qu'ils ont fait teshuva. Vous voyez un petit peu comment l'amour que l'on peut donner à une personne même qui s'égare de la bonne route, un jour ou l'autre, pourra permettre de transformer quelque chose et d'apporter quelque chose. Si on parle de cet amour-là, peu importe de la personne qui est en face, on ne peut pas ne pas parler de Aaron à Cohen. Qui était Aaron à Cohen? Aaron à Cohen, il est dit comme ça dans le Pirkei Avot, dans les Maximes de l'Opéra. Eve mitalmidav shel Aaron, oev shalom virodev shalom, oev et avriot on karvan la Torah. Fait partie des élèves de Aaron. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Aaron, il aimait la paix, il courait après la paix. Il aimait les créatures, peu importe qu'elles soient. Et il est rapproché de la Torah. C'est très intéressant de voir ce que Hillel HaZaken a dit également juste avant. Vous vous souvenez qu'hier on a démarré le Pérec en parlant de Hillel HaZaken. Hillel HaZaken, il disait que toute la Torah est basée sur quoi? Sur Ve'ahavta l'riacha kamoucha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand cette personne, elle lui a dit, dis-moi Rabbi, comment est-ce que je peux apprendre toute la Torah sur un seul pied? Il a répondu, mais c'est simple, aime ton prochain comme toi-même, Ve'hidar pirushao. Et tout le reste, hein, tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est juste là pour expliquer l'amour de son prochain. Alors hier, ensemble, on a vu, on a pu approfondir cette idée. Pourquoi? Parce que quand tu aimes ton prochain, tu mets ton corps de côté, tu mets ton âme divine en avant. Et puisque tu aimes ton âme divine en avant, alors à ce moment-là, tu peux aimer l'autre, parce que tu ne vois pas les différences que le corps de l'autre, c'est-à-dire l'égocentrisme, le narcissisme, le moi de chacun, hein, est en relief, et mis en exergue, tu mets de côté tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste l'âme divine. Et l'âme divine, il n'y a pas de fierté, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de convoitise, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de désir, il n'y a que du bon. Et donc, tu t'attaches avec lui. Hein, c'est aussi simple que ça. Ah, mais quel rapport avec Dieu? Quel rapport avec tout le reste de la Torah? Mais parce que quand tu es capable de faire ça, c'est-à-dire de sortir de ton enveloppe corporelle, et celui qui est en face de toi, lui aussi sort de son enveloppe corporelle, et il vit que par ce qu'il est au fond de lui, c'est-à-dire une âme divine, et bien c'est-à-dire que tu as appris à te dépasser. Si tu te dépasses de ton corps, et bien tu peux accomplir toute la Torah très très facilement. Parce que l'accomplissement de la Torah et de la Torah et des Mitzvot, ça se fait avec l'âme divine, avec le corps qui accompagne l'âme divine. Si tu as appris à dépasser ton corps et à en faire quelque chose d'inférieur, de secondaire à ton âme divine, tu es tranquille, tu t'attaches avec Dieu. Donc le principe, il est là. Ce même Hillel HaZaken nous dit, tu sais, il faut être aussi l'élève d'Aaron. Lui, Aaron, le frère de Moshe, hein, vous vous souvenez? Aaron, lui, il aimait toutes les créatures. Il courait après la paix. C'est intéressant, pourquoi est-ce qu'il dit briot? Briot, ça veut dire créature. Bereshit bara Elohim et Tashomaim betaretz. Il a créé. C'est un peu compliqué quand même. Est-ce qu'on est des créatures ou est-ce qu'on est des êtres exquis, raffinés? Pourquoi briot? Pourquoi est-ce que Aaron ici, Hillel HaZaken, dans les mots du sage Hillel, la définition des hommes, elle est décrite par ce qu'ils sont des briotes. A priori, briot, ça nous ramène à notre état le plus primaire. Hein, quand on dit créature, on pense aux animaux, on pense aux minéraux, on pense aux végétaux. A
priori, nous sommes des hommes, des êtres humains, un peu plus élevés, évolués. Pourquoi est-ce qu'on nous ramène à notre plus simple appareil? Alors, vous savez ce qu'il dit ici, l'Admor HaZaken, ce qu'il dit à travers la Chassidoute ici, c'est que Briot ici, ça nous apprend qu'un homme, il n'a rien de particulier en réalité. La seule chose qu'il a, l'homme, c'est d'être une créature de Dieu. À chaque fois qu'on perd ça de vie et qu'on prétend être autre chose qu'être une créature de Dieu, eh bien justement, on se perd. Un homme qui veut maintenir son lien avec Dieu, un homme qui veut comprendre, qui veut donner une vraie direction à son existence, il doit se rappeler qu'il n'est rien d'autre qu'une créature de Dieu. Il y a Dieu, il y a lui, et lui, c'est une créature de Dieu. Dès l'instant que tu perds ça de vue, et tu penses être quelque chose qui soit séparé, différent de ce que Dieu te donne, demande d'être, et c'est-à-dire juste une créature de Dieu, alors à ce moment-là, tu perds complètement de vue tout. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu ramènes ça à ton état initial de créature, tu ne peux que aimer ton prochain. Bokeh Tov à ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour. Bokeh Tov à ceux qui nous rejoignent. Tu ne peux qu'aimer l'autre. Pourquoi est-ce que tu ne peux que l'aimer? Parce que c'est une créature comme toi. Ah, il accomplit la Torah. Tu l'aimes. Il n'accomplit pas la Torah des Mitzvot. Tu l'aimes quand même. Mais il est très éloigné de la Torah. Tu l'aimes quand même. Il fait des Averot. Tu l'aimes quand même. Pourquoi? Parce que c'est une créature comme toi. Il est la Zaken dit aussi quelque chose de très intéressant ici. Il dit, vous savez ce qu'il dit juste après? Il dit, ou mekarvan la Torah. Il dit, tu dois aimer ton prochain. Tu dois courir, tu dois te battre pour aller aimer ton prochain, mais tu dois aussi te rapprocher de la Torah. Vaste programme. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Je ne peux pas rester chez moi, à la maison, tranquillement. Ok, j'aime mon voisin, je suis respectueux. Bon, voilà, chacun sa vie, hein. Qui vive comme il peut vivre. Je fais attention à mes enfants, à fréquentation, je fais attention à ma petite vie à moi. Pourquoi est-ce que tu me demandes d'aller jusqu'à le rapprocher à la Torah? Ok, je l'aime, même s'il ne fait pas la Torah à la Mitzvot. De la même manière que je m'aime même moi. Moi-même, même si je ne fais pas tout ce qu'il faut dans le tour de l'épisode. Ouais, non, je vais aimer l'autre. On met carval la Torah. Tu dois le rapprocher à la Torah. C'est de quoi tu dois le rapprocher à la Torah? Rapprocher à la Torah, ça veut dire que la meilleure façon de le rapprocher à la Torah, c'est si tu vas l'aimer, peu importe ce qu'il est. C'est pas magnifique, ça. Merci, notre cher Rabbi. Oui, c'est un petit peu ça l'idée. De la même manière que toi aussi, si tu veux vraiment te rapprocher de Dieu, tu veux te rapprocher de Dieu? Eh bien, il va falloir que tu t'aimes, que tu apprennes à t'aimer pour ce que tu es toi. Tu sors de cet orgueil-là, que tu te ramènes, tu te rappelles qu'est-ce que tu es toi, à savoir une âme divine. Et quand tu es capable de t'aimer pour ton âme divine, tu es capable de te rapprocher de la Torah. Si tu regardes ce que tu es vraiment toi, tu n'as pas de force, tu te dis mais qu'est-ce que je suis? Je me rapproche plus de l'animal que de l'homme. Et je n'agis pas toujours comme il faut. Je regarde le côté négatif. Quand je prends conscience que j'ai mon âme divine qui vibre en moi, je la rapproche de la Torah quelque part, alors à ce moment-là, tout le reste m'aide à me rapprocher de la Torah. Ou mes carvanes de la Torah, c'est la solution à tout, en fait, en réalité. Et c'est aussi inverse. Quand tu veux rapprocher quelqu'un d'autre, ok, et que tu vois tout ce qu'il y a de négatif qui pourrait t'amener à vouloir le détester, à vouloir le haïr, à vouloir le rejeter, et qu'est-ce que tu fais? Mes carvanes de la Torah, tu le rapproches à la Torah. Et bien, tout le reste, toutes les raisons qui t'auraient donné envie de le haïr vont disparaître. Comme du vent. Vous comprenez? Ce que nous dit ici la Chassidoute sur ce point-là, si vous regardez bien, et vous connaissez un petit peu l'histoire, pour ceux qui connaissent un petit peu la vision du Rabbi de Lubavitch qu'il a eue, c'est justement ça. Tout est basé sur ce principe-là. La question c'est, Oev et Abriot Mekarvan la Torah, d'un autre côté, est-ce que du coup ça devient une condition? Là, mettons, on nous dit que Oumekarvan la Torah, si je veux faire comme Aaron, je dois aimer l'autre et je dois le rapprocher à la Torah. Ok. Et que quand je le rapproche à la Torah, c'est ce qui va me permettre de l'aimer et de ne pas détester toutes ses fautes. La question qu'on pourrait se poser ici, c'est est-ce que c'est une condition sine qua non? Est-ce que je dois aimer mon frère juif s'il ne veut pas se rapprocher de la Torah? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette réponse, de répondre à cette question? Est-ce que je dois aimer mon frère juif, même si lui n'accomplit pas la Torah? Ou est-ce que m'écarvan la Torah, c'est la condition sine qua non à tout? J'attends votre réponse. Bon, si vous n'avez pas la réponse, je compte sur vos likes, sur vos pouces, sur vos commentaires, mais aussi sur vos partages. C'est très important.
On parle de partage, on parle d'amour. Une personne qui tomberait sur cette publication-là, vous imaginez peut-être que ça lui sauverait sa journée ou sa vie. Qui est... Mais vous savez ce qu'on étudie là? Imaginez un petit peu les mots de Chassidut, de Torah, de Kabbalah. Qu'Hachem nous aide à transmettre le message comme il faut. Alors la réponse, elle est comme ça. Et vous l'imaginez bien. On doit aimer son frère juif, peu importe si on réussit à le rapprocher à la Torah ou pas. Si le rapprochement à la Torah devient une condition à l'amour, alors ça veut dire que si par exemple cette personne n'accepte pas que je le rapproche, alors ça veut dire que je ne dois pas l'aimer. Le Hadmour HaZaken ici vient de nous dire quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, de phénoménal, de révolutionnaire. Cet amour-là est Natluya Badavar, c'est ce que nous avons dit hier. Le véritable amour, c'est un amour qui ne dépend pas d'une condition. C'est un amour qui est inconditionnel. Je n'aime pas pour une raison, j'aime tout simplement. Donc ça veut dire que cet homme-là, s'il n'accepte pas de faire la Torah et les mitzvot, si mon enfant n'accepte pas, chas v'shalom, d'accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut, si mon épouse n'accepte pas de faire la Torah et les mitzvot comme elle devrait le faire, si mon mari ne veut pas faire les efforts que moi, en tant que femme, je fais, est-ce que ça veut dire que je dois à ce moment-là le détester, ne pas tout faire pour me rapprocher de lui ou d'elle? Si mon frère juif, mon voisin, ou celui qui est même très très très, très loin de moi, il ne fait pas ce qu'il faut faire, est-ce que ça veut dire que je dois le détester? Le Hadmour HaZaken te dit, mais pas du tout. Là, il y a une mitzvah. Toi qui veux vraiment faire la Torah et les mitzvot, sache qu'il y a une mitzvah, un commandement positif. Ve'ahavta l're'acha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi tu dois t'aimer. C'est un décret. Il n'y a pas de condition. On ne te dit pas tu dois aimer ton prochain s'il accomplit la Torah et les mitzvot. On te dit tu dois aimer ton prochain parce que c'est ton prochain. Vous savez qu'à l'époque, le rabbi de Lubavitch a toujours été plutôt du côté de la droite, sans faire de politique, de la droite israélienne. C'est-à-dire que pour le rabbi, c'était inconditionnel. Il fallait toujours se battre pour la sécurité de Eretz Israël, de la terre d'Israël, de tous les habitants d'Eretz Israël. De ne pas donner de territoire, de rester ferme dans nos positions, etc. En 1990, lorsque au pouvoir, il y a eu le Shimon Peres, qui est monté au pouvoir, qui est devenu Premier ministre. C'était très compliqué parce qu'il avait des idées de gauche qui pouvaient être dévastatrices. Il y a eu des accords d'Oslo qui ont été signés, différents accords de paix, entre guillemets. Le rabbi de Lubavitch s'est battu contre cela. Ça pouvait paraître comme quelque chose d'un sentiment qui pourrait être un conflit. Vous savez ce qu'il a fait le rabbi de Lubavitch à cette même époque, quand dans ses écrits, quand dans ses discours, il disait « il ne faut pas suivre cette vision-là », il a envoyé un petit message à Shimon Peres, dans lequel il lui disait qu'il ne combattait pas du tout ce qu'il était lui, que lui, il l'appréciait, qu'il l'aimait comme son frère juif. Je ne donne pas les vrais mots, les mots exacts, je ne les ai pas. Mais ce qu'il combattait, c'était ses idées, et non pas ce que lui, il était. La finesse du rabbi, même si la raison pour laquelle il combattait ses idées, elles étaient très très importantes, parce que c'était très grave ce qui était en train de se passer. Et puis on a pu le voir après. Mais c'était de regarder la démarche. Il aurait pu se maintenir sur ses positions et de se dire que Shimon Peres allait bien sûr se dire « Bon, voilà, lui, c'est un religieux, il a une vision, et puis moi, je suis un homme du monde, j'ai une autre vision. » Non, le rabbi, il a fait cette démarche-là de lui envoyer un petit mot dans lequel il précise, il dit « Tu sais, ce n'est pas toi que je combats, ce sont juste ces idées-là que tu es en train de... » C'est magnifique. Imaginez si nous, on avait cette simplicité-là. Cette finesse, cet amour de son frère juif. C'est ce qu'a fait le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov n'aimait pas ce qui était vraiment la crème de la crème du peuple. Il aimait la crème de la crème comme celui qui était très simple. L'amour véritable. Regardez dans les mots ce que nous dit ici le Hadmour HaZaken. Uma shamum bagmara, ce que nous disons dans le Talmud. Shimishure bachavaro shirata mitzva lisnoto vegam lomar lo rabosh et isnaeu. Il est dit dans le Talmud, celui qui voit son prochain faute, c'est une mitzvah de l'haïr. Même de dire à son maître de le haïr. Comment est-ce que ça peut correspondre à ce que nous avons dit, qu'il faut aimer chacun de ses frères juifs? Alors on précise, dans les mots, « Aïnou bechaveru betorah mitzvot », ça doit être ton ami dans la Torah des mitzvot, c'est-à-dire que ça doit être quelqu'un de proche de toi. « Ukvar ki embo mitzvah tochiach tochiach et amitecha », tu as déjà accompli l'ordre qui est quoi que tu dois, faire de remontrance à ton ami. Mais qui c'est ton ami amitecha? Im se'etecha. Chez Itecha, Betorah Mitzvot, ça doit être quelqu'un qui est avec toi et qui est égal à toi dans la Torah et la Mitzvot. Il est au même niveau que toi. Ok ?
Et bien qu'il soit au même niveau que toi dans la Torah et l'accomplissement des mitzvot, il a quand même commis cette faute-là. Alors là, tu peux haïr. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, comme ça ne nous arrive jamais, donc on ne peut pas haïr. Aval Micheno Chavero, Veno Gravetzlo. Dans celui qui n'est pas proche de lui, ce n'est pas son ami dans la Torah et dans les mitzvot, encore plus que cela. Veno Mekoravetzlo n'est pas proche de lui vraiment, humainement. Il est la Zaken, c'est sur cela que il est la Zaken, pardon, s'est exprimé en disant Et ve mitamitav chez Aaron, au Eve Shalom Bechoulé. Soit elle fait partie des élèves de Aaron, au Eve Shalom Bechoulé, qui aime la paix. Au Eve et Abriot, au Mekarevan, la Torah, il aime les créatures, il les rapproche à la Torah, l'Omar, chez Avarechokim, mitorat Hashem va avodato. Ve la chen ikraim bechem beriot bealma, même ceux qui sont loin de la Torah de Dieu, de l'enseignement de Dieu, qui ne servent pas Dieu. C'est la raison pour laquelle ils sont aussi appelés des briotes, des créatures. On l'a expliqué pourquoi. Il faut aller les tirer avec les plus grandes cordes de l'amour qui pourraient les amener, les tirer vraiment. Et avec tout ça, peut-être qu'il réussira avec beaucoup, beaucoup, avec ces seaux d'amour qu'il va déverser sur eux. Là, il aura la possibilité de les ramener s'ils sont loin. Venlo, loifsitzra midvatar badrim. Regardez ce qu'il dit ici le Morazaken, et même s'il n'a pas réussi à les rapprocher de la Torah, il n'a pas réussi à les rapprocher de la Torah, mais il n'a pas manqué à ce commandement qui est quoi ? D'aimer son prochain. Donc tu perds rien d'aimer ton prochain s'il n'accomplit pas la Torah et les mitzvot. Tu as réussi à le rapprocher de la Torah et les mitzvot ? Parfait, génial. Mais tu as au moins réussi à l'aimer. Et ça, c'est déjà génial de l'aimer. Puisque cet amour-là, lui, il a ressenti cet amour-là. Si lui, il a ressenti cet amour, tu as tout gagné. C'est donc l'approche, la première approche, nous l'avons vue, celle de Rabbi Zouché d'Anépoli, qui lui ne voyait pas du tout de mal chez son frère juif. Il ne voyait pas de mal sur terre, il ne voyait pas de mal, il n'y avait rien de négatif. C'est-à-dire que la réalité, elle, il la voyait avec d'autres lunettes. Sa perception était différente. Comme on le sait, hein, le bonheur, c'est quoi ? C'est dans le chemin, hein, qui nous permet d'y parvenir. Mais ce n'est pas seulement ça. La beauté se trouve dans les yeux qui la regardent. Et Rabbi Zouché d'Anépoli ne voyait pas de mal, de mauvais, de... Non, pour lui, tout était bon. Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov avait une autre vision, lui. Lui, c'est le défenseur du Ham Israël, du peuple juif, depuis toujours, on le sait. Il avait une façon différente de voir les choses. Bien sûr qu'il ne voyait pas de mal chez son frère juif. Et quand il voyait le mal, vous savez ce qu'il faisait ? Tout de suite, il trouvait un mérite. C'est-à-dire, ok, parfait, il fait quelque chose de mal, de négatif, il n'accomplit pas la Torah et les mitzvot comme il faut, il ne se comporte pas comme il faut, mais tout de suite, il trouvait un mérite. Il a décidé de voir les choses du côté positif, non pas de refuser qu'il y ait du mal. Il y a du mal, il y a du bien, je regarde les choses de manière positive. Deux petites histoires qui vraiment nous montrent quelle était l'attitude de Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov. Une petite histoire qu'on a déjà racontée, je pense, ensemble, qu'on a partagée. Cette histoire, il sort un jour de la synagogue et il voit un juif qui est habillé de talit et de téphiline, qui est en train de changer la roue de sa charrette. Imaginez, accroupi sur la roue de sa charrette. Il regarde ça, il dit, mais c'est pas possible. Imaginez un petit peu, comment tu peux profaner ça ? Rabbi Lévi Yitzhak, il regarde comme ça avec un grand sourire. Il lève les mains vers le ciel, il dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, regarde, regarde comment tes enfants t'aiment. Même lorsqu'ils sont en train de travailler, ils continuent de te prier, de dire des mots de Torah avec leur tefilin et leur talit. Là, une autre personne leur a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es un rachat. Qu'est-ce que tu fais ? Va poser ton talit et tefilin. C'est grave ce que tu fais. Tu blasphèmes. Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov, il ne voyait pas le mal. Il voyait qu'il y avait quelque chose de mal. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il trouvait un mérite à ce mal-là. Un autre jour, écoutez ça, c'est très joli. Il a entendu qu'il y a un juif qui s'est converti au christianisme, que Dieu nous en préserve. Ce juif-là avait 80 ans. Ses élèves, hein, au Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov, se sont dit, là, c'est pas possible. Ça peut pas, c'est pas possible. Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov va pas lui trouver une excuse. Il a 80 ans, il trouve le moyen d'aller se convertir au christianisme. Regardez ce qu'il a dit Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov. Il a regardé comme ça, il a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, regarde-moi ce juif-là. Pendant toute sa vie, jusqu'à 80 ans, il s'est battu contre son mauvais penchant pour ne pas se convertir. Maintenant, il a succombé. Mais il a quand même tenu pendant 80 ans. Maître du monde, regarde comment est-ce que tes fils t'aiment. Pendant 80 ans, il s'est quand même battu.
Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Rabbi Levi Yitzhak, lui, il ressemble, vous savez, à cette histoire qu'on avait racontée. Vous vous rappelez, hier, on a parlé de ce roi-là qui demande, hein, qui organise comme ça une belle, un concours, parce qu'il a un enfant, son prince à lui, son prince de fils. Il est quoi? Il est un peu boiteux, hein, et il a du mal. Il a un œil qui dit pas bonjour à l'autre, gentiment. Alors, bon, il est un peu triste, mais en même temps, il veut aussi trouver une solution pour lui faire plaisir. Alors il va faire ce concours-là pour appeler, et il demande au plus grand dessinateur de trouver une solution pour faire la meilleure des peintures qui représenterait son fils de la meilleure des manières. Alors, on rappelle rapidement, il y a celui qui a dessiné en omettant complètement son fils, c'est-à-dire les défauts qu'il avait son fils, en le faisant avec de belles jambes, avec un beau visage, sans les défauts. Il y a celui qui a fait avec les défauts, mais en les cachant. Et il y a celui, le troisième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les défauts dans le dessin, mais il a posé le prince sur un cheval, il l'a mis comme ça, en train de regarder le viseur, hein, de façon à ce que, comme il regarde le viseur, de toutes les manières, un des yeux sont fermés, donc il en a fait une force de ses défauts. Et puis la jambe, il a mis un petit peu en mouvement, en chevauchant ce cheval-là, sur cette magnifique peinture, de façon à ce que le défaut soit quoi? Devienne une qualité, qui fasse partie de la réalité. C'est une vision qui est magnifique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va choisir, le roi. Le roi va choisir ça. Il va faire gagner ce magnifique peintre. Pourquoi? Il n'a pas détesté. Il n'a pas chassé complètement le défaut. Donc il est dans la réalité. Il ne refuse pas la réalité. Il ne travestit pas la vérité. Il ne la cache pas. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait une force. Ça fait partie de la vie. Peu importe ce que tu es, peu importe comment tu es, mais ce que tu es, tes défauts ou tes qualités, ça fait ce que tu es. Et c'est déjà ça, quelque chose de parfait. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchav, lui, il fait partie du deuxième. C'est le deuxième peintre. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchav, il lui dit, il y a les défauts. Je ne vais pas faire attention aux défauts, je vais faire attention aux qualités. Je vais mettre de profil. Et comme je le mets de profil, eh bien, on ne voit pas les défauts. Je regarde le côté positif. Je trouve un mérite à ces actes. On voit ici qu'en réalité, il y a quelque chose de paradoxal. Jusqu'ici, nous avons appris que la mitzvah qui nous est donnée ici, cette recommandation-là de décider, elle ne tombe pas sur la majorité des personnes. Elle tombe vraiment sur des personnes qui sont proches de nous. Le Mourazakan, ici, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il te dit l'inverse. Ne regarde pas la mitzvah de détester. Regarde la mitzvah d'aimer. La mitzvah d'aimer, c'est d'aimer son frère juif, mide oraita. Ve'aftal erecha kamocha, c'est pas par les chachamim, par les sages qui viennent dans les générations après que la Torah nous a été donnée. Ve'aftal erecha kamocha, c'est écrit en lettres de feu sur la Torah, dans la Torah. Le devoir de détester, de haïr celui qui n'accomplit pas la Torah, les mitzvot, ça a été donné par les chachamim. Ce sont deux mitzvot séparés qui ne dépendent pas l'une de l'autre. C'est pas parce que tu aimes que tu ne dois pas accomplir l'autre mitzvah, et c'est pas parce que tu as accompli cette mitzvah que tu ne peux pas accomplir l'autre. La mitzvah d'aimer son prochain, c'est-à-dire va'aftal erecha kamocha, elle tombe sur chacun, même sur celui qui est détestable parce qu'il n'accomplit pas la Torah, les mitzvot. Donc en réalité, il y a une situation paradoxale. Pour la même personne, tu peux d'un côté l'aimer et de l'autre côté ne pas l'aimer. Tu l'aimes parce que c'est ton frère juif, mais en même temps, tu peux le détester. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que tu peux aimer détester en même temps? Comment tu peux haïr les actes d'une personne et l'aimer en même temps? Le Hanmurazaken, Rabbi Shon Zalman, ici, nous dit qu'il y a la possibilité d'y arriver. Il y a deux façons de le voir. Premier chemin qu'on va nous donner ici, c'est d'aimer le bien et de haïr le mal. Tu aimes ton frère juif, tu aimes ce qui est bon et tu détestes ce qui n'est pas bon. En fait, en réalité, la haine pour le mal, elle est importante que quand on est en train de donner une légitimité à ce que l'autre est en train de faire. Quand on ne légitimise pas ce que l'autre fait, c'est déjà une façon de repousser et de détester ce qu'il est en train de faire. Puisqu'un homme est fait, et on en est tous là, de bien et de mal, on peut et on est en mesure de développer, que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres, de l'amour et de la détestation. On est capable d'aimer les traits de caractère que nous avons et vivre aussi et cohabiter avec tout le mal et tout ce que nous n'aimons pas dans notre personnalité. Vous avez une personne qui a des points positifs, qui a des qualités.
Et elle nourrit ses qualités, et puis elle se sert de ses qualités pour s'enrichir dans la vie. S'enrichir, je ne parle pas matériellement, bien sûr, ou peut-être aussi. Bon. Et vous avez cette même personne-là qui sait au fond d'elle qu'elle a des défauts. C'est des défauts parfois qui peuvent être destructeurs, des défauts qui peuvent le décimer de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des domaines dans la vie où il n'arrive pas à se battre. Et il va se faire du mal à lui-même. Et pourtant, il s'aime. Il aime les côtés positifs qu'il a. Je sais, vous êtes d'accord, on parle de chacune et de chacun d'entre nous. Alors comment est-ce qu'on peut vivre avec ce bien et ce mal? Comment est-ce qu'on peut vivre avec cet amour que l'on a de nous-mêmes et en même temps détester l'autre? Eh bien, c'est les deux qui peuvent être. C'est paradoxal, mais c'est possible. Vous savez, quand Yaakov Avinu a parlé à ses enfants, à Shimon et Lévi, Shimon et Lévi, à un moment de leur vie, ils ont agi avec colère, ok? Quand Yaakov bénit ses enfants, quand il va quitter ce monde-là, il va à chacun donner quelque chose. À donner et décrire la bénédiction qu'il leur donne. Et à Shimon et Lévi, il dit comme ça, « Arour apam, ki az, que soit maudit leur colère. » Vous imaginez un petit peu? Il est maudit, mais c'est ses enfants. Il n'est pas en train de les maudire, eux. Il est en train de maudire leur colère. « Arour apam, ki az », ça veut dire « que soit maudit leur colère », pas eux. Eux, je ne les maudis pas. Vous imaginez bien, c'est ses enfants. La colère, elle est dangereuse chez eux. Elle est négative. Et il faut la combattre, il faut la repousser. D'un autre côté, je les aime parce que ce sont mes enfants et qu'ils sont très bien, qu'ils ont beaucoup de valeur. C'est Shimon et Lévi, vous imaginez. Ils font partie des 12 tribus d'Israël. L'expression concrète de l'amour du bien et de la détestation du mal, c'est ce que l'on peut voir précisément quand il y a des parents, quand il y a des maîtres, des enseignants, qui disent à un enfant que ce qu'il a fait, c'est problématique. Alors vous savez ce qu'on a l'habitude de dire? On n'a pas besoin de parler d'éducation positive pour le dire. Un enfant qui fait une erreur, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu es un enfant qui est magnifique, tu es extraordinaire, et je t'aime énormément, mais ce que tu as fait est interdit. Ce que tu as fait n'est pas positif, tu n'as pas à faire une chose pareille. Et je n'accepterai pas que tu fasses ce que tu viens de faire. Bon, je vous avoue, en général, on pique tout de suite une colère, et on a du mal à faire ça, mais il faut s'entraîner. Tu es un enfant magnifique, c'est génial, ce que tu es, c'est magnifique, on t'aime comme tu es, mais ce que tu as fait, c'est pas bien. Et on ne tolérera pas ce que tu viens de faire. Ça, c'est la première vision. Et écoutez la deuxième vision. La deuxième vision, c'est d'avoir de la rahmanout, la miséricorde. Et quand on a de la pitié et de la miséricorde, alors à ce moment-là, ça fait partir, ça annule la détestation que nous avons. Et donc, ça fait ressortir que le positif, que l'élément, que l'amour que l'on peut avoir pour son prochain. L'échaïm, l'échaïm, l'échaïm. Je vous rappelle que nous étudions pour la Refoua Shelema de Chaya, Anat, Shoshana, Bat, Laetitia, Esther, pour Gad, Ben, Léa, pour la Refoua également de Tinok, Ben, Avraham, pour la Refoua Shelema du Rav, Eliaou, Raphaël, Ben, Kouka, pour la Refoua Shelema d'un petit bébé également, qui a besoin de Refoua Shelema, et on compte sur vos prières et vos kavanotes, vos bonnes intentions, donc dites Amen, Ve, Amen chez vous à la maison, et soutenez une Refoua Shelema pour toutes ces personnes-là, dites-le dans les commentaires, Amen, Ve, Amen, partagez-le, ainsi que pour Devir Shneor ben Nechama. La deuxième solution que nous avons ici, c'est quoi? C'est de faire appel à la miséricorde. Vous savez la miséricorde? Celle qui est juste après la bonté et la rigueur. Celle qui fait la symbiose, l'harmonie des deux. On parle de quelque chose, on parle d'une troisième force. Quelque chose qui est très profond, qui fait partie des sentiments d'un homme. Dans la rachamim, dans la miséricorde, il y a et de la bonté et de la rigueur. C'est cette union-là des deux. C'est des contraires, mais on le sait, hein, la beauté, c'est dans l'union des contraires. Dans l'union des sens. La neshama elokit, cette âme divine qui est en nous, elle est tombée de très très haut. Elle était auprès d'Akadosh Baruch Hu, au chaud, près du trône céleste. Et puis elle est descendue ici dans ce corps si étroit, là, une chute vertigineuse. Dans un certain sens, vous imaginez bien que quand elle est en bas, elle a pitié. Et on doit aussi avoir pitié pour elle. On l'a dit hein, dans les chapitres précédents, quand est-ce qu'on peut faire teshuva? Quand on est capable de trouver, d'avoir pitié sur cette âme divine qui est tombée de très très haut. Cette miséricorde, en réalité, elle réunit ces deux mouvements qui peuvent paraître contraires, à savoir, d'un côté, aimer,
ce qu'il y a de bon et de l'autre côté, détester ce qu'il y a de mal. En même temps, la miséricorde, c'est quoi? C'est d'abord l'amour du bien, la reconnaissance de la source divine qu'il y a, mais il y a aussi le fait de repousser, de détester véritablement le mal. Et donc la miséricorde, elle nous pousse à faire quoi? À voir les choses de manière positive. Le Admor HaZaken va le dire dans les mots, que ça annule complètement tout ce qui va se passer ici. Ça va annuler le mal. Et la Rachamim, vous savez, c'était la tribu de prédilection, hein, et la valeur particulière qu'avait Yaakov Avinu. Là où Avraham, notre cher ancêtre, Avraham, lui, le patriarche, il avait quoi? Le chesed, la bonté pour tous, sans distinction aucune. Là où Yitzhak était dans la rigueur, dans la gvoura, il était rigoureux. Yaakov vient et fait de la symbiose entre les deux. La Rachamim, la miséricorde. L'amour qu'avait Avraham Avinu, elle était extraordinaire, elle était phénoménale. Qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire? C'est qu'Avraham Avinu, il recevait tout le monde, peu importe ce qu'ils étaient. C'était quoi? C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un d'autre qui se présente à moi, la seule chose, ma première mission, c'est quoi? C'est de développer de l'amour pour lui. Et quand je développe de l'amour pour lui, j'appelle aussi à son amour. Et donc, il y a plus d'amour sur Terre, il y a plus d'amour dans l'humanité. Le problème, c'est que parfois, cet amour-là peut se retrouver bloqué face à un barrage, face à des difficultés. Quand ça? Quand il y a la détestation du mal, parce que quand on veut aimer et qu'on se rend compte qu'il y a du mal, il y a aussi un autre mouvement qui se met en route, c'est-à-dire la détestation du mal. Comment on fait les deux pour les deux? Quand on rencontre, par exemple, un juif qui est très très loin, très éloigné, d'accord? Et qui s'évertue, et qui s'entête à fauter, à ne pas faire ce que Dieu lui demande. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on est un peu embêté, parce que d'un côté, on veut l'aimer, et d'un côté, on doit l'aimer. Mais de l'autre côté, on n'a pas la force de l'aimer, parce qu'on se dit, mais c'est détestable son comportement. Comment est-ce que je peux l'aider? Comment je peux l'inviter à ma table, si je sais qu'il a ce comportement qui est 100% négatif? Comment je peux aider, et je peux amener, et je peux inviter chez moi, par exemple, chez moi à la maison, ou bien je peux discuter avec un voisin qui est très éloigné, physiquement, matériellement, dans son attitude, dans son comportement, dans son accoutrement, dans sa vision, dans sa façon de parler, si j'ai mes enfants avec moi, à qui je suis en train de donner des enseignements justement complètement à l'inverse de ce que cet homme-là représente. Alors vous savez ce qu'on a l'habitude de dire, ce que le rabbi avait l'habitude de dire? Que quand on est en train de donner, on ne reçoit pas. Tu es avec ton enfant, tu es en train de parler avec un juif dans la rue, qui lui est complètement à l'inverse, qui ne ressemble pas du tout à aux enseignements que toi tu donnes à tes enfants. Tu es chez toi à la maison, tu fais rentrer chez toi à la maison des personnes qui ne sont pas du tout à ton niveau de spiritualité, de connexion, d'accomplissement de la Torah et les mitzvot. Tu es très très éloigné de cela, mais tu les invites chez toi à table. Et puis tu prends le risque que parfois ils vont parler de tel ou tel sujet. Et avec un sourire, avec de la patience, avec amour, tu vas passer à un autre sujet. Tu vas savoir trouver les mots qu'il faut. De manière extérieure, on se dit, mais comment c'est possible de faire rentrer une personne chez soi à la maison comme ça? D'un autre côté, le rabbi de Lubavitch nous a appris quoi? Le Baal Shem Tov, la Chassidut. C'est que quand tu vas développer de l'amour, quand tu vas donner de l'amour à ton prochain, ne t'inquiète pas, tu es dans le don. Donc tu ne reçois pas. Tu es en train de prendre. Là, c'est négatif. Mais quand tu es en train de donner, tu n'es pas en train de recevoir. Quand tu es dans le don, tu ne reçois pas. Ton enfant qui est à table, il peut voir quelqu'un qui ne ressente pas du tout à ce que toi tu lui enseignes d'être. Il ne sera pas du tout influencé négativement. Parce qu'il voit, et ce qu'il voit, c'est quoi? C'est l'amour que tu es en train de donner. Donc il va comprendre que c'est ce qui se passe ici maintenant. Donc il ne sera pas influencé négativement. La chassidut nous apprend une chose, c'est que la rachmanut de Yaakov Avinu, c'est quoi? C'est que la miséricorde que j'éprouve face au côté négatif que l'autre peut avoir, elle va prendre le dessus, elle va inonder d'amour le côté négatif, et au point que je n'aurai même pas besoin de détester le mal. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la vision de Admor HaZaken qui dépasse la vision de Rabbi Zushé d'Anipoli, qui dépasse la vision de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Quand je dis qu'il dépasse, c'est-à-dire qu'il en fait quelque chose et qu'il rajoute encore quelque chose. Parce que c'est déjà quelque chose de très, très, très noble, ces chemins de vie et ces écoles de pensée qu'ils avaient. C'est-à-dire que c'est pas que je cache le mal, c'est pas que je ne vois pas qu'il y a du mal. Je ne dis pas que la réalité elle est totalement belle. C'est pas que je vois le mérite et que je trouve un mérite à ce juif-là qui est à côté de moi. C'est juste que je vais lui donner tellement d'amour, tellement je vais faire ressortir le côté positif qu'il y a chez lui, que le mal va disparaître de lui-même. Et c'est là où j'arrive au Mekarvan la Torah. C'est là où la Torah m'aide à le rapprocher. C'est là où automatiquement cet homme-là, à un moment, il va se rapprocher de la Torah. Obligatoirement.
C'est ce qui nous amène vers la conclusion de ce Tania du jour, si vous le voulez bien. L'attribut de miséricorde, c'est ce qui nous permet, c'est l'outil essentiel qui peut nous permettre, entre les hommes, de se supporter, de s'aimer. C'est un petit peu comme, vous savez, comme par exemple, quand chaque personne est positive, chacun veut donner quelque chose de bien. Et pourtant, parfois, il y a un négatif qui ressort. Et on a du mal, du coup, à voir ce qui est bon chez l'autre. C'est ce qui peut se passer, par exemple, dans le couple, quand on décide de se marier et qu'on voit que le positif. Quand on est amoureux, entre guillemets, on ne voit même pas le mal. Ben pourquoi ? Ben parce que parfois, on le cache. On se le cache à soi-même. Parfois, la personne qui est en face, elle nous le cache. Parfois, nous aussi. Enfin, souvent, on cache nos côtés négatifs. Et puis, quand on se marie, là, on ne cache plus, puisqu'on est vraiment ce que nous sommes. Pourtant, on avait de l'amour et l'autre avait de l'amour. Si on fait ressortir notre amour et notre détestation pour les défauts de l'autre, eh bien on est dans un conflit permanent. On aime la personne, on est capable de lui dire « je t'aime » le matin, et 2 heures après lui dire que je ne te supporte pas. Comment se fait-il ? Parce qu'on vit dans cette dualité-là, c'est-à-dire qu'on accepte le mal, on accepte le bien, et on vit avec le bien et avec le mal. Le vrai contact, le vrai rapport humain qui permet le vrai partage, la symbiose, l'unité, l'union véritable, ce que l'on doit éprouver dans le couple, mais également dans les rapports humains, mais déjà dans le couple, ce serait génial, c'est d'être capable de ne pas se dire qu'il y a de l'amour et qu'il y a aussi de la détestation. C'est pas que je vais refuser, je vais réfuter les défauts que j'ai moi ou que la personne qui est avec moi, avec qui je vis, a. C'est pas que je me ferme les yeux. Non, je suis réel, j'ai des défauts, elle a des défauts, il y a des choses que je ne supporte pas et elle a des choses qu'elle ne supporte pas chez moi. Et en même temps, elle m'aime. Et en même temps, je l'aime. Alors, comment je vis avec les deux ? Eh bien, si je vis constamment en me disant, ben, c'est pas grave. Ok, il y a des choses que j'aime pas. Mais bon, il y a des choses que j'aime. Alors, la jauge, elle est comme ça. Bon, ça va. Alors, parfois, dans la vie, il y a un peu plus d'amour, un peu moins de détestation. Parfois, c'est l'inverse. Et puis, on avance comme ça. Et on avance. On va, on sait pas. On construit pas. On survit. Si on est capable d'intégrer l'idée ici que le Admor HaZaken nous dit ici. Il nous dit, fais en sorte d'inonder tellement, de mettre tellement l'accent sur l'amour. Tellement tu vas mettre l'accent sur l'amour, c'est pas que tu vas faire disparaître le mal. Mais c'est que cet amour-là va transcender ce négatif-là, il va transformer ce négatif. Ou mekarvan, c'est-à-dire que sans le savoir, sans donner la leçon à la personne qui est en face, sans lui dire, tu sais, je n'aime pas ça chez toi, tout en étant ce que tu es toi, tu réussis à transformer ce qui est négatif en toi et en elle. La personne qui est en face, si elle, la seule chose qui va la préoccuper pendant toute sa vie, c'est quoi ? C'est d'investir dans l'amour, dans le partage, dans l'amour inconditionnel, ouais, le vrai amour. Eh bien, le côté négatif, lui, il ne va plus apparaître. Pourquoi ? Parce que tu seras toujours dans cet investissement-là. Ou mes caravanes, il s'approche automatiquement. Et ça, la solution, c'est la rahmanout. C'est avoir de la pitié. Il faut parfois avoir pitié sur son couple. Il faut avoir de la miséricorde sur sa vie. Il faut se dire parfois, stop. Pas un moment où j'aime, un moment où je déteste, un moment où je déteste, un moment où j'aime. Non, pas du tout. Même si c'est vrai. Tu peux faire comme le rabbi Zoché d'Anipoli qui disait, non, il n'y a pas de mal, moi c'est que du bien. Il faut un niveau pour cela. Je ne vois pas de mal. Il n'y a rien que je déteste. Tout est bien. Je plane. Rabbi Levi Israël de Berdichev, il te dit, non, tu sais quoi ? Il y a des choses négatives que tu n'aimes pas chez l'autre, chez ton épouse ou chez tes semblables, chez tes amis. Tu sais ce que tu fais ? Trouve un mérite. Ah, dis-toi, ah, mais bon, je l'aimais un jour. Ah, je l'aimais, les premières années, c'était magnifique. Maintenant, c'est plus compliqué, mais c'est pas grave. Comme je l'ai aimé, je continue de l'aimer. Et je l'aimerai toujours. Parce que je lui trouve du mérite. Le Admor HaZaken, il te dit, mais non. Encore plus fort que cela. Prends ces deux-là, ces deux visions, et rajoute encore un petit assaisonnement. Rajoute de la rahmanout. Et la rahmanout, c'est la miséricorde. La rahmanout, c'est ce qu'elle fait. Elle brise et la bonté et la rigueur. Elle fait un mélange. Elle fait l'harmonie des sens, l'harmonie des contraires. L'harmonie, c'est quoi ? C'est la plus belle des beautés. Comme la plus belle des œuvres d'art qui rassemble différents éléments, différents matériaux, différentes couleurs. Et parce qu'il y a ce mélange de différentes couleurs, là, il y a la beauté. La rahmanout. Ça veut dire d'un côté d'aimer, d'un côté de haïr, mais de l'autre côté quoi ? D'avoir la miséricorde. Quand je révèle cette miséricorde-là, alors je suis en mesure de pouvoir aimer inconditionnellement.
S'il faut aimer chaque juif dans chaque situation, David Ameller nous dit d'un autre côté, « Tachlit sina sedetim l'orivim mayoli ». Je les ai détestés, quoi, les Averot. La Gemara répond ici, elle dit, mais pourquoi est-ce qu'on peut aimer et détester en même temps? Il y a des cas particuliers extrêmes où on peut et on doit ne pas aimer et on doit automatiquement haïr. Qui ça? Ceux qui vont rejeter la Torah, Chas v'Shalom, parfois, et ceux qui vont même encourager des moments, à des moments de l'histoire du peuple juif, d'autres personnes à détester la Torah. La Gemara a dit, a priori, que ces hommes-là n'ont pas de part. On l'explique, on dit, ça ce sont des personnes qui n'ont pas de part de manière dévoilée, mais de manière cachée, au fond d'elles-mêmes, elles ont quelque chose. Ça ne veut pas dire que nous, on doit vivre de cette façon-là. Il n'y a que David Ameller qui pouvait dire, « Tachlit sina senetim l'erogvim mayuli, je les ai détestés, haï. » C'est un roi, David Ameller, qui a besoin de juger. Lui, il avait la possibilité de le faire de cette façon-là. Comme on a l'habitude de dire, vous savez, quand les personnes vous disent, quand vous donnez un exemple d'un grand sage, et vous dites, ouais, mais regarde, lui aussi faisait ça. Lui aussi faisait ça, donc moi aussi je peux le faire. Il faisait quelque chose, voilà, il avait une ouverture d'esprit, toi aussi tu peux avoir, moi aussi je peux avoir cette ouverture d'esprit. Ce à quoi il faut toujours répondre. Il dit, oui, mais peut-être que lui il avait cette ouverture d'esprit, mais toi tu n'étais pas ce que lui il était, tu n'étais pas ce grand sadique. Le jour où tu seras ce grand sadique, toi aussi tu pourras te permettre de faire ça. Regardez dans les mots ce qui est dit ici. Et on conclura avec cette idée. Même ces personnes-là qui sont proches de lui, et qu'il a, donc, avec lesquelles il a eu un contact, et à qui il a fait ces remontrances-là, et qui n'ont pas fait tes choix, et a priori tu as la mitzvah de les détester, ben, ces mêmes personnes, tu as aussi la mitzvah de les aimer. Donc l'investissement que tu mets à les haïr, mets-le dans l'amour. Autant. Les deux sont vrais. Sina, la haine, mitzad ara shebaim va'ava, mitzad bechinatato va'gamu shebaim. D'un côté, tu dois détester le mal qui est en eux, et tu dois aimer le bien qui est en eux. Shu nitsus elokut shebedocham mechayin nafsham elokit. C'est cette étincelle divine qui est à l'intérieur d'eux, et qui fait vivre leur âme divine. Deuxième chose à faire, vegam leorer chamim belibo alia. Comme nous l'avons dit, ce deuxième chemin-là qui nous est tracé, avoir de la miséricorde. C'est quoi cette miséricorde? J'ai de la miséricorde sur cette âme, qui est quoi? Qui est dans cet exil, qui est complètement caché, voilé, enfoui dans le mal qui provient de l'autre côté, qui est trop fort chez ces réchaïm, ces hommes-là qui n'accomplissent pas la Torah les mitzvot. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tellement tu as eu de la miséricorde, ve'arachamanut mevatelet asina umereret ahava. Et la miséricorde annule, fait partir la détestation, la haine, et elle réveille l'amour. Kanoda Bima Shekatouv, comme il est connu de ce qui est écrit, les Yaakov Asher Pada et Avraham. Yaakov a délivré Avraham. Comment Yaakov il peut délivrer Avraham? Le sens ici, pardon, est de dire que la vertu première qu'il y avait chez Yaakov, à savoir la Rachmanout, la miséricorde, a délivré et libéré la vertu première qu'il y avait chez Avraham, qui était quoi? L'amour. Pourquoi? Parce que quand la Rachmanout est utilisée à bon escient, eh bien, permet à la Ahava, à l'amour, de s'épanouir comme il faut. Le vrai amour, c'est l'amour qui est habillé, qui est transcendé par de la miséricorde. Ce qui te permet d'assimiler et d'assumer le côté rigueur qu'il peut y avoir parfois quand tu aimes une personne. Velo amar David Amelech alav alashom tachlit sina senetim le alamin va abikorsim shenalem chelek beloke Israël. Qui dit Taïba Marish Reish Perek Tetzain de Shabbat. Et quand, comme nous l'avons dit tout à l'heure oralement, quand David Ameller dit qu'il a détesté, il détestait ceux qui pouvaient se permettre, eux, de rejeter, de renier la Torah, Chas v'Shalom, et de pousser, malheureusement, comme on a eu dans l'histoire du peuple juif, où des personnes ont écarté le peuple juif du bon chemin pour leur faire miroiter autre chose complètement. On va terminer avec une petite histoire, vous la voulez? Allez, une petite histoire. C'est une petite histoire qui a été racontée par le Rav David Edelman. C'est un grand chaliar du Rabbi Raya sur Rabbi Yosef Yitzhak dans le Massachusetts. Je l'ai bien dit? Je ne sais pas, vous allez me le dire. Je le rappelle, excusez-moi, je ne l'ai pas dit. Un grand bonjour pour Toronto et Montréal. Voilà, pour les francophones qui nous regardent là-bas. En direct, je crois plutôt en replay. Voilà. Et d'ailleurs, partagez, c'est important. Partagez. C'était un grand chéliar, et quand il était bachour, quand il était jeune homme, dans les années 40, il a dit comme ça, moi j'ai étudié à la yeshiva du 770. Un jour, le beau-père du rabbi était là, et il nous a raconté
qu'il avait posé la question, c'est le rabbi, hein, qui avait posé la question au rabbi Yosef Israël, qui lui avait dit comme ça. Dans mon bureau, il y a des gens simples qui viennent et des gens très 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 évolués. Et donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye au maximum d'être souriant avec eux, de les recevoir, comme il a toujours fait d'ailleurs le rabbi, toujours avec un sourire, peu importe ce qu'ils étaient. Alors il demande au rabbi Yosef Israël, qu'est-ce que c'est bien ce que je fais? Pourquoi? Parce qu'on imagine bien les anciens élèves, ceux qui venaient de Russie, etc., avaient du mal avec cette approche aussi ouverte que le rabbi de Lubavitch avait. Il trouvait ça un petit peu bizarre qu'il accepte dans le bureau qu'il y ait autant de personnes qui rentrent, qui avaient des attitudes, des accoutrements qui étaient très éloignés de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il faut que je les rejette? Le rabbi Yosef Israël lui a répondu comme ça. Il lui a dit, des enfants aiment tout. Les parents aiment tous leurs enfants. Parfois dans la vie, on a des enfants et on l'espère, ben, ils ont pour chacune et chacun d'entre nous, en bonne santé jusqu'à 120 ans. Dites amen, va amen. En bonne santé spirituelle, matérielle, en bonne santé. Et voilà que parfois, parmi ces enfants-là, on a des enfants qui ont un peu plus de difficultés. Vous allez voir un enfant qui a des difficultés. C'est-à-dire, des difficultés affectives, émotionnelles, intellectuelles. Parfois, chas v'shalom, des difficultés même physiques, vraiment réelles. En général, comment est-ce qu'on se comporte avec cet enfant-là? On va développer en nous un amour incommensurable et on va aimer plus qu'on aime les autres. Est-ce que ça veut dire que les autres, on les aime moins? Pas du tout. On aime les autres au même niveau qu'on aime cet enfant-là. Et on aime cet enfant comme on aime les autres. Mais on va montrer, hein, on va dévoiler cet amour de manière beaucoup plus présente. On sera beaucoup plus attentif pour cet enfant que pour l'autre. Il y a un enfant parfois qui demande et qui nécessite plus d'attention que l'autre. Eh bien, on va donner cette attention qu'il faut à cet enfant-là. On va pas lui dire « Non, tu dois être comme tes frères et sœurs. Arrête de me demander trop d'attention. » C'est la plus grande erreur qu'il faut faire, qu'on pourrait faire. On doit lui donner plus d'attention parce que cet enfant, il a besoin de plus d'attention. Lui, il a besoin de plus d'amour. Lui, il a besoin de plus de câlins. Prends-le plus souvent, il a besoin d'être aimé, d'être câliné. Prends-le dans les mains. Ça, ça ne veut pas dire que l'autre, il va être chelou. Vous savez pourquoi? Parce qu'un autre enfant, les autres enfants, on va le voir. C'est ce que va nous dire ici le rabbi Yosef Israël dans cette réponse qu'il va faire au rabbi de Lubavitch actuel. Ils le voient, ils le sentent. Pourquoi? Parce que l'amour que tu es en train de donner à tes enfants, c'est un amour qui est indéfectible. C'est-à-dire qu'un enfant, il voit qu'il n'est pas aimé plus. S'il y a vraiment du vrai amour, hein, on ne parle pas de quelqu'un qui aime, qui est mauvais à l'intérieur de lui-même, qui va aimer plus un enfant qu'un autre, à l'échelon que Dieu nous en préserve. Les autres enfants, s'ils ne le comprennent pas, d'ailleurs, on va les prendre à part, on va l'expliquer. Tu sais, regarde, toi, quand je te demande de faire tes devoirs, tu les fais en 10 minutes. Tu les fais en une demi-heure, c'est bon, c'est fini. Ton frère, lui, il n'arrive pas. Il a des problèmes de concentration, il a des problèmes, il a du mal. Donc lui, j'ai besoin d'être plus avec lui qu'avec toi. C'est pas que t'es meilleur que lui. Tu es né avec des attitudes et des aptitudes différentes. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui, j'ai besoin de lui donner plus d'attention. C'est pas que je l'aime plus. Malheureusement, quand un enfant, il a un défaut, il a quelque chose qui ne va pas, hein, il a besoin de plus d'attention. C'est pas qu'on va l'aimer plus, c'est qu'on va dévoiler, on va développer de l'amour et une attitude envers lui qui est beaucoup plus à assumer que pour les autres. On a posé la question à un grand sage contemporain. On lui a dit, voilà, c'est une famille en Israël, une famille religieuse. Voilà qu'un enfant s'est égaré de la bonne route. Il n'accomplit plus la Torah et les mitzvot. Alors malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans plusieurs familles en Israël. Et puis il y en a qui ont décidé de renier comme ça, de rejeter leurs enfants. Ce qui n'était pas bien en se disant, bah, le verre il est dans le fruit, s'il reste dans le fruit, il risque de faire pourrir tout le fruit, toute la famille. Donc on fait sortir le verre. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Vous savez ce qu'il lui a répondu ce grand sage? Il lui a dit comme ça. Tous les autres enfants, tu peux les faire partir de la maison. Mais lui, tu le gardes avec toi. Là, on aurait pensé que c'est lui qu'il faut faire sortir de la maison. Ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont bien spirituellement, ceux qui se sentent bien, eux, ils peuvent partir. Tu peux les envoyer chez la famille ailleurs. Il n'y a pas de problème. Mais lui, tu le gardes auprès de toi, tu lui donnes le plus d'amour possible. Lui, quand il va aller dormir le soir, il faut qu'il sache que le lendemain matin, quand il va se réveiller, il y a un café au lait qui l'attend avec des petits biscuits. S'il aime que ce soit au caramel, que ce soit au caramel. Oui, mais la veille, il a fait des avéros, il s'est égaré complètement. Mais non, quand tu vas l'accueillir, tu l'accueilles avec un sourire. Et puis, tu laisses ta porte ouverte. Tu sais qu'il va rentrer très très tard, à 4h du matin. Tu t'arranges pour laisser la porte ouverte. Non, tu lui donnes la clé. Tu dis pas, non, je ferme la porte à clé. Tu lui laisses la porte, qu'il sache qu'il pourra revenir quand il veut. Et mieux que cela, tu laisses un petit mot. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille. On t'aime. On est avec toi. Je ne te fais pas de remontrance. C'est pas le moment. Je lui montre de l'amour. Cet amour fera que je développais quelque chose. J'ai développé un rapprochement
Pas qui est faux, qui est vrai, parce que c'est mon enfant. Le rabbi de Lubavitch lui a dit comme ça, le rabbi Yosef Israël a dit au rabbi de Lubavitch, il faut savoir que on aime tous les enfants de la même manière. Et parfois, il faut développer, il faut montrer de l'amour plus à un homme qu'à un autre. Plus à quelqu'un qu'à un autre. Donc quand tu as un juif qui vient chez toi et qui ne s'habille pas comme toi, tu aurais imaginé qu'il devrait s'habiller. Quand tu as un juif qui rentre chez toi et tu sais qu'il ne fait pas la Torah des Mitzvot comme il devrait, eh bien, tu dois lui montrer beaucoup plus d'amour que tu vas montrer à un autre. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous protège, qu'il nous donne la force pour cela et qu'il nous permette toujours, toujours, toujours de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Aimez-vous. Voilà, c'est l'essentiel. Aimez-vous vous-même et puis qu'on s'aime tous ensemble, les uns des chaînes. Que Dieu vous bénisse. Nous avons conclu aujourd'hui le 32e chapitre de Tania, qui n'en est pas un des moindres. Très important d'ailleurs d'étudier ce chapitre-là tous les jours, de l'étudier, parce qu'il y a tout dedans. C'est la base même de notre histoire. Je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne journée. Je vous rappelle que nous avons étudié pour la Refoua Shelema de plusieurs personnes aujourd'hui, de notre petit Devir Shneor Ben Nechama. Nous avons étudié également pour la Refoua Shelema de Chaya Anat Shoshanabat Laetitia Esther, pour la Refoua Shelema de Gad Ben Léa, de Tinok Ben Avraham, du Rav Eliyahu Raphaël Ben Kuka, pour le Ilou Nishmat Sima Bat Esther Golda. Excellente journée à toutes et à tous. Excellente journée.